Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo magnifique. Parce que oui, aujourd'hui comme vous pouvez le voir derrière moi les gars, comme vous pouvez le voir, un magnifique X-Max. Alors du coup comme vous le savez, j'ai récemment acheté ma maison. Et bon, comme je dis, voilà, c'est un peu grâce à la salle. Et c'est aussi grâce à vous qui me regardez quotidiennement. Pour faire plaisir à la salle, j'aimerais bien lui faire un petit cadeau. Donc je suis en train d'essayer dans les commentaires, vous allez me dire vous ce que vous en pensez. À 10 000 likes les gars déjà, on offre soit ça, soit un quad. Donc là aujourd'hui on va tester le X-Max. Et dans la prochaine vidéo on testera le quad, je vous montrerai le quad. X-Max ou quad dans les commentaires, à vous de choisir. 10 000 likes on lui offre, moi bon, je ne le connais pas trop. Je crois que c'est un 300 cm3. Prix magasin, il est entre 6 000 et 6 000 francs à peu près. Mais je pense que ça peut bien aller à la salle. Voilà à quoi il ressemble, je sais qu'il y en a, ils aiment bien genre quoi, il est en full black et tout. Moi j'ai préféré genre noir et au milieu un peu violet bleuté comme ça. Moi je trouve ça magnifique. Donc évidemment, pour conduire ce genre de véhicule, forcément vous savez, il faut le permis moto, hein. C'est pas un scooter normal, c'est pas un scooter basique. En fait, soit moi je prends le X-Max et la salle il prend le quad, soit c'est inversement. Je sais quand mes potes avaient un X-Max les gars, il fallait mettre une clé. Alors cette fois-ci, il n'y a pas besoin de mettre la clé. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Moi je trouve que ça me va bien. Après je sais pas dans les commentaires, dites-moi si ça me va bien ou pas. Est-ce que ça me va bien ou pas. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, comment ça se passe. 1 hour later. Donc déjà, tu vois ici, t'as la clé. La clé, t'as pas besoin de la mettre. Sauf que je t'habitue à mettre la clé, tu vois, avec le quad. Tu fais hop, t'appuies. Bon, ça marche. Tourne deux fois, à droite. Faut l'allumer, non? Ah, voilà. Two hours later. Bon, du coup, voilà les fonctionnalités qu'on a sur ce X-Max. C'est une clé un peu qui tourne un peu comme ça. On a plusieurs possibilités. Donc, on a ça. Voilà. Hop, là, c'est pour ouvrir, pour mettre l'essence, tout simplement. Voilà, tout le petit coffret ici. C'est pas malin, d'ailleurs. C'est vraiment sympathique, cette nouveauté. Hop, tu refermes. Ensuite, t'as, hop, pour la démarrer. Donc, ça, c'est pour démarrer le bolide. On montrera ça après. Et sinon, t'as ici, t'appuies là. Et là, voilà, tu peux brancher ton téléphone. Et on a aussi... Du coup, ce que je vous montrais en mode site, donc on a le choix soit entre ouvrir du coup l'allume-cigare ou le mode site. Le mode site, voilà, on a pas mal de petits rangements. Et du coup, après, pour fermer le coffre, hop, c'est du direct live. On referme tout simplement, c'est fermé. Et là, on a une réouverture. Tu prends ton casque et tu vas te balader. En plus, c'est l'été. On est parti. J'ai mis le casque. J'ai aussi fait des petites gants parce que maintenant, les gants, c'est obligatoire. Hein. Oh, alors, t'en ressenti? Franchement, c'est la deuxième fois que je conduis X-Max, parce que j'avais conduit celui de Bad Flunch à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Bad Flunch, il l'avait offert à son frère. À son frère. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. J'aime bien. Il est puissant? Ouais, il est puissant. Bah, j'ai pas pu bombarder à mort, tu vois, genre, parce que c'est des zones à 30, tu vois, donc je respecte un petit peu quand même les limites, tu vois, normal. Mais il y a peut-être moyen que je bombarde si on va sur la route, quoi. Bon, là, les gars, je suis derrière actuellement. Je voulais voir ce que ça faisait qu'on est derrière. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Je vais vous remonter de toute façon quand je suis devant. Regardez, je vous montre ça. Voilà, là, on est actuellement tranquillement derrière un passager. On se balade à Nancy, on va arriver à Nancy là. Et franchement, c'est magnifique, ça fait du bien, en plus il fait chaud. Bon, les gars, on est actuellement en plein Nancy, petite queue de Saint-Pélancy, la Saint-Elle, je connais. Voilà. Le casque d'ailleurs est 3 fois plus grand que moi, ça c'est sûr et certain, c'est même sûr. Et on allait chercher à boire parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui, il fait trop chaud, c'est abusé, la chaleur est insoutenable. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se balader encore un petit peu. Le X-Max, je suis derrière. Et encore une fois, dans les commentaires, dites-moi selon vous, est-ce que la salle préfère quad ou X-Max? Ah, personnellement, le X-Max, je kiffe. Personnellement, je kiffe à bord. Après, bon, c'est vrai que quad, c'est un peu plus tranquille. Et quad, on n'a pas besoin de permis moto. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi, c'est l'avantage. Par un X-Max, tu veux pas de moto. Un quad, t'as pas besoin. T'as juste à avoir le permis normal. Bon, bah, du coup, les gars, c'est parti. On va y aller. Let's go.
Bon les gars, avis de ce petit X-Max, après une heure d'utilisation, à peu près, ça fait une heure qu'on roule là, ouais. Ouais. Ça fait à peu près une heure qu'on roule, on est parti en ville et tout, voir comment ça se passait quand on roule en ville. Alors personnellement, j'ai pas roulé en ville parce que il est quand même lourd, j'ai du mal déjà. Et je pense qu'avec quelqu'un derrière moi, c'est un peu chaud de maîtriser. On a essayé sur un parking, c'était pas trop ouf. Donc j'avais pas envie de péter le X-Max, hein. T'imagines, tu pètes le premier jour, ce serait chaud, ouais. Donc du coup dans les commentaires encore une fois je vous demande un X-Max ou quad, n'oubliez pas 10 000 likes pour offrir le X-Max à la salle. On a aussi le T-Max qui est pas mal pour la salle, mais je pense qu'un X-Max ça me va bien. Donc je vais vous montrer comment on démarre, hein. Venez. Faire un petit tour au passage. Là c'est dur, mais tu vois il est lourd, hein. Il est vraiment lourd. Ah ouais! Pas mal! Bon les gars, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez entendre, écoutez. On l'a fait fumer. On l'a fait fumer, les gars. Franchement, si j'avais un petit avis personnel, c'est magnifique. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, moi qui ai testé des quads, le quad c'est plus maniable, je trouve. Je sais pas, c'est bizarre un peu. Il est trop lourd en fait. J'arrive pas, moi. C'est j'en ai la muscu, je pense, hein, pour porter ça. Je sais pas, il y a combien de kilos, mais c'est chaud. Bon, en tout cas, c'est pas mal. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche. Sur ce, on cesse là-dessus et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Open up the sesame. Work, yeah. Oh no, don't pressure me. Yeah, ooh, yeah. Roll out with the referee. Curb, yeah, yeah. I'm turning left now. Burn, yeah. The rubber's on my chest now. First, no, you're not the first one. They done told me I'm the worst one. Yeah, always the pedal to the floor. Yeah, I'm hard and center. And I don't know what's in my trunk. I'm always front and center. Drive that Rari down the coast. Yeah. Rocking my new rope, yeah. Always on the road, and I don't need no sweater. Ooh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom. Try and catch me when I pull up in that zoom, zoom. Ooh, nah, please don't make that call. We don't want no cars, they ain't ready for the cause. Ooh, baby, on the track, I'm going vroom, vroom. Try to catch me when I pull up in that zoom, zoom. Ooh, driving by the shore, looking for some more. In my Rari going roar. Race, I cannot do this solo. Pace, yeah, I'm speeding in my polo.